Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le professeur Sarender ne s'en a pas avec moi. Je prends le relais pour essayer de vous donner des orientations par rapport au cours, par rapport aux exercices qui vous ont été donnés sur la plateforme. Donc, vous avez eu deux séquences de cours. La première séquence portait sur caractérisation de la science et de l'esprit scientifique. Ensuite, la deuxième séquence de cours portait sur la caractérisation de la recherche scientifique. Et pour ces deux séquences de cours, vous avez eu... Pour ces deux séquences de cours, vous avez eu des tests de connaissances pour... Le test de connaissance numéro 1, vous avez eu 6 questions. Et pour le test de connaissance numéro 2, vous avez eu 2 questions. Pour la première séquence de cours, vous avez également eu des exercices de TD à faire. Il en est de même pour la séquence 2, où vous avez eu des exercices de TD à faire. Maintenant, les TD qu'on vous a donné, ce n'est pas les TD que nous avons d'usage en droit ou en sciences politiques. En droit ou en sciences politiques, nous avons des dissertations, des commentaires. Nous avons des dissertations, des commentaires de texte en droit, des commentaires d'arrêt, voilà, etc. Ce sont ce genre d'exercices que nous avons coutume de voir en droit et en sciences politiques. Maintenant, pour ce cours de culture de la réflexion scientifique, les exercices qui vous ont été soumis portent sur des fiches de lecture. Ces fiches de lecture-là, c'est fait exprès pour vous donner un goût à la lecture, pour vous pousser à lire, à vous approprier des ouvrages, à essayer de retenir l'idée essentielle qui est dégagé dans un ouvrage, le point essentiel que développe l'auteur dans un ouvrage. Et donc, ces fiches de lecture pourront vous servir tout au long de votre cursus. Et ils vous serviront également à bien imprimer les choses essentielles relatives à votre cours. Donc, les fiches de lecture sont très importantes. Ce que nous allons faire, Pour la première heure, nous allons corriger les tests de connaissances qui vous ont été soumis. Ensuite, pour la deuxième heure, nous allons essayer de vous montrer comment faire des fiches de lecture. Parce que quand j'ai regardé les travaux remis sur la plateforme, les TD qui ont été rendus, beaucoup n'ont pas fait convenablement ce qui a été demandé. La plupart a fait juste un copier-coller. D'autres ont fait une dissertation sur la caractérisation de l'esprit scientifique, sur je voulais avoir en face de moi les exercices qui vous ont été donnés, mais c'est pas bien grave. Certains ont rendu des travaux pas bien faits, et la plupart. Donc j'ai compris que vous ne saviez pas comment faire une fiche de lecture, ce qui fait que il est nécessaire qu'on vous donne un cours de méthodologie. Déjà, les TD vont arriver bientôt. Vous allez bientôt commencer les TD, je pense, la semaine prochaine. Et il vous faut un peu de méthodologie pour comment faire une dissertation.
Rebonjour à tous. Il y a en fait un bruit de fond. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Rebonjour à tous. Il y a en fait un bruit de fond. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Voilà, donc si vous m'entendez bien, je pense qu'on va. C'est pas facile de faire un live. Il y a des fois des problèmes techniques qui nous empêchent d'avancer. Mais bon, on va essayer de régler les choses au fur et à mesure. Je disais donc, depuis tout à l'heure, et vous aviez mal entendu, j'ai dû enlever les casques, je les ai remis. Je disais qu'aujourd'hui, le prof Sarah Gaye ne sera pas là. Nous allons utiliser ce temps pour corriger les exercices qui vous ont été soumis sur la plateforme. Vous avez eu deux séquences de cours. La première séquence de cours portait sur la caractérisation de la science et de l'esprit scientifique. Ensuite, pour la deuxième séquence de cours, vous avez eu la caractérisation Pour la deuxième séquence de cours, vous avez eu la caractérisation de la recherche scientifique. Maintenant, pour ces deux séquences de cours, vous avez eu des exercices. Vous avez eu des tests de connaissances. Vous avez également eu des TD à rendre. Certains d'entre vous, concernant les TD, ont eu beaucoup de difficultés. Vraiment, c'est bon. Voilà. Certains d'entre vous ont eu beaucoup de difficultés parce que ne sachant pas quoi faire concernant le travail qui leur a été demandé, concernant, bien entendu, les TD. Parce qu'on vous a remis, on vous a demandé de faire beaucoup d'entre vous. Moi, voilà, je disais donc que la fiche de lecture, ce n'est pas un exercice que nous avons d'habitude, soit ou en sciences politiques. La fiche de lecture, souvent, ce sont ceux qui font sociologie qui le font, ou ceux qui préparent un examen, ou une bonne chose parce que ça vous permet de
Est-ce que maintenant vous entendez? La connexion à mon niveau, je pense, n'est pas très stable. Allô, Ibrahima, est-ce que ça vient? Ok, donc je suis allée au réglage pour enlever les écouteurs. Je pense que c'est ça qui a été à l'origine du bruit de fond. Voilà, donc nous pouvons continuer, espérant que cette fois-ci, rien ne va nous interrompre. Voilà. Donc, remettez-moi sur le live, s'il vous plaît. Ibrahima, je peux y aller, c'est bon? Voilà, merci beaucoup.
Chers étudiants, je suis vraiment désolée. Il y a eu des problèmes techniques et on m'aide beaucoup ici, derrière. Voilà, donc Monsieur Ibrahim Mabouk, que ce live se tienne. Nous allons devoir continuer. Depuis tout à l'heure, vous aviez des difficultés à m'entendre, soit pour les micros, soit pour la connexion. Là, je pense que c'est bon, on va y aller et la connexion n'aura plus un problème. Je croise les doigts. Donc, je disais donc que nous nous sommes réunis ce matin pour travailler sur les TD et les fiches de connaissances, les tests de connaissances, autant pour moi. Aujourd'hui, le professeur Sarah Ndiaye ne sera pas là. Il va être avec vous le lundi prochain, Inch'Allah. Donc, une semaine sur deux, il sera là. Donc, les autres fois, je pourrai prendre le relais pour travailler avec vous sur les exercices ou sur les notions sur lesquelles vous voulez que nous revenions. Maintenant, aujourd'hui, nous allons corriger les exercices qui vous ont été soumis sur la plateforme. Beaucoup ont rendu les tests de connaissances 1 et 2, mais pour ce qui est des TD, il y a eu un problème parce que la plupart d'entre vous ne savez pas comment faire une fiche de lecture. Ce sera l'occasion pour nous d'y revenir. Aujourd'hui, nous allons, dans la deuxième heure, vous montrer comment faire une fiche de lecture. Je n'ai pas verrouillé la remise des travaux pour vous permettre, à l'issue de cette séance, que vous puissiez prendre en compte les éléments que je vous aurais donnés pour essayer de refaire vos exercices. Donc, même ceux qui ont déjà déposé leur TD, ils pourront reprendre et déposer à nouveau. Je n'ai pas verrouillé la remise des TD. Pour ce qui est des tests de connaissances, vous avez trois tentatives et vous ne pouvez aller au-delà. Maintenant, nous allons passer rapidement à la correction des tests de connaissances. Vous avez eu deux séquences de cours. Pour la première séquence, c'était la caractérisation de la science et de l'esprit scientifique. On vous a donné là-dessus six tests de connaissances. Maintenant, pour la deuxième séquence de cours, vous avez eu la caractérisation de la recherche scientifique et là, vous avez eu comme test de connaissance deux questions. Maintenant, pour ce qui est de la du premier exercice, les tests de connaissance numéro 1. Pour les tests de connaissance numéro 1, vous avez qu'est-ce que l'esprit scientifique? Vous pouvez aussi dans le chat essayer de répondre. Certains ont répondu dans la plateforme. Ils ont donné de très bonnes réponses. D'autres, par contre, je pense qu'ils n'ont pas lu le cours ou bien qu'ils n'ont pas compris ou qu'ils n'ont pas assisté à nos deux ou trois premières séances de tutorat, c'est pourquoi ils ont eu des difficultés. Mais normalement, après une séance, vous avez les enregistrements. Si vous avez raté une séance ou bien qu'il y a eu des choses qui vous ont échappé, allez toujours à l'enregistrement pour réécouter ce qui a été dit. Surtout pour ceux qui étaient en retard ou qui n'ont pas assisté à la séance pour une raison, pour des contretemps, etc. Donc, il faut toujours essayez de revoir les enregistrements pour réécouter, pour voir ce qui a été dit en votre absence ou bien ce qui vous a échappé. Donc, nous avions eu à voir ça dès la première séquence de cours sur la caractérisation de la science et de l'esprit scientifique. Donc, pour le test de connaissance numéro 1, nous avons comme première question, qu'est-ce que l'esprit scientifique?
Pour répondre à cette question, je vais vous donner des orientations. Vous auriez dû dire, l'esprit scientifique est cette attitude de construction d'énoncé. Entre parenthèses, énoncé, c'est quoi? Un énoncé, c'est une formule, c'est un ensemble de formules exprimant quelque chose de façon précise. Donc, l'esprit scientifique est cette attitude de construction d'énoncé, de vérité suffisamment élaborée et de haut niveau d'appréhension. Donc, l'esprit scientifique, c'est cette attitude de construction d'énoncé, de vérité bien élaborée. Ce qu'il faut donc retenir pour l'attitude de l'esprit scientifique, l'attitude que devrait avoir un chercheur, un savant, un scientifique, son attitude, il faut retenir ces maîtres mots pour l'esprit scientifique. Il faut une objectivité, une neutralité, une rigueur et l'empirie. Donc, les maîtres mots pour l'esprit scientifique sont objectivité, neutralité, rigueur, empirie. Pourquoi objectivité? Parce que l'objectivité est un impératif, car le scientifique doit s'interdire de faire des jugements subjectifs, des jugements de valeur. Vous l'avez compris, dans la première séquence de cours, on avait dit la science doit rompre avec les jugements de valeur, les jugements spontanés, le sens commun. Donc, le chercheur ici doit être objectif. L'objectivité est obligatoire parce que, justement, le scientifique doit s'interdire de faire des jugements de valeur. Est-ce que vous m'entendez jusque-là? Je peux voir le chat. Merci de me dire. Voilà, c'est parfait. Comme vous entendez bien, c'est parfait. Habibou Sankara, vous demandez, est-ce que les tests de connaissances ont des délais? Sur chaque séquence de cours, des fois, on vous donne une semaine ou on vous donne deux semaines. C'est précisé sur la plateforme. Quand une séquence est postée, on vous dit une semaine. Donc, dans ces une semaine, dès que vous faites votre cours de tutorat ou bien que vous rencontrez le prof lui-même, en cours magistral, vous devez aller faire vos exercices. Vous avez eu, les séquences bien avant que nous commencions à faire le tutorat ou bien que le prof vienne faire son cours magistral. Donc, quand vous utilisez vous-même votre cours, faites automatiquement les tests de connaissances pour voir si vous avez compris ou vous n'avez pas compris. Parce que c'est un indicateur, si vous faites vos tests de connaissances, vous pourrez vous rendre compte qu'en fait, vous avez des lacunes ou bien que vous avez tout compris ou que vous rencontrez des difficultés. Après, vous allez rencontrer votre tuteur ou tutrice et lui soumettre vos préoccupations, lui dire qu'à tel niveau, je n'ai pas bien compris. Est-ce que vous pouvez nous donner des éclaircissements? Est-ce que vous pouvez nous aider à tel niveau parce que ça ne semble pas clair à notre niveau? Voyez-vous? Donc, c'est impératif de faire les tests de connaissances. Et puis, les tests de connaissances sont notés. Puisque c'est noté, vous avez l'obligation de les faire. Même si ce n'était pas noté, faites-le pour votre background, parce que ça vous permet de mesurer si vous avez compris le cours ou non. Et si vous n'avez pas compris, c'est l'occasion d'aller fatiguer votre tuteur pour lui dire, voilà, moi, j'aimerais que vous reveniez sur telle et telle chose parce que je n'ai pas compris. Et c'est de son devoir de vous aider à comprendre. Donc, je ne vais pas pouvoir lire tout ce que vous écrirez sur le chat, mais de temps à autre, je garderai pour voir. Mais pour l'esprit scientifique, retenez que cette attitude, c'est cette attitude de construction d'énoncé, de
de vérité bien élaborée. Ce qu'il faut retenir pour l'attitude du scientifique, du chercheur, le chercheur doit être objectif, doit être neutre, doit être rigoureux et expérimenter, aller sur le terrain pour vérifier les choses, son objet d'étude. Donc, il faut retenir ces maîtres mots pour l'esprit scientifique, objectivité, rigueur, neutralité et empirie. Voilà pour ce qui était de la première question de votre test de connaissance. Maintenant, je suis revenue sur l'objectivité. En fait, pour les maîtres mots dont je vous ai parlé, objectivité, neutralité, rigueur et empirie. Donc, l'objectivité, je vous ai dit tantôt que c'était obligatoire pour le chercheur parce qu'il ne doit pas faire de jugement de valeur. Ensuite, pour ce qui est du deuxième maître mot, la neutralité, Max Weber nous dira neutralité axiologique. Cette neutralité doit être entendue comme non-imposition de valeur. Par exemple, quand le chercheur, le scientifique fait de la politique, il doit le faire sans pour autant que son engagement politique porte atteinte à sa production scientifique. Il doit séparer les deux choses. Il faudrait que le scientifique, à travers sa neutralité axiologique, puisse séparer son objet d'étude, puisse séparer l'analyse, son objet de recherche, son objet d'étude, de tout jugement de valeur. Donc, neutralité veut tout simplement dire que doit être entendu plutôt comme non-imposition de valeur. Le scientifique devrait être libre. Libre de tout jugement de valeur. Il devrait séparer ses propres convictions de l'analyse qu'il est en train de mener, de l'étude qu'il est en train de mener. Voyez-vous? Donc, la neutralité doit être entendue comme non-imposition de valeur. Et je vous ai donné l'exemple selon lequel, si je fais de la politique, mon engagement politique ne doit pas déteindre sur mon objet d'étude. Donc, je dois séparer mon analyse des jugements de valeur. Ensuite, pour le troisième maître mot, l'attitude que devrait avoir le scientifique, le chercheur, c'est la rigueur. Le chercheur devrait être très rigoureux parce qu'il doit faire preuve de rigueur en mettant en place bien élaboré pour garantir la production d'énoncés significatifs sur les faits. Il doit mettre en place une méthodologie. Il doit être rigoureux sur le traitement de ces données. Donc, la rigueur est également un impératif de l'attitude que devrait avoir le scientifique, le chercheur. Ensuite, il y a l'empirie. Ici, ce sont les données de l'expérience. En d'autres termes, il s'agit de l'observation. Pour qu'une étude soit scientifique, vous devez soumettre la théorie que vous avez à l'observation. Vous devez soumettre votre théorie à la pratique pour vérifier si, en fait, vos énoncés peuvent être vérifiés dans la réalité. Si vos énoncés sont conformes, peuvent être infirmés ou confirmés par l'expérimentation. Donc, il faut une observation. Donc, en gros modo, l'attitude du scientifique devrait être la construction d'énoncés bien élaborés. Et il doit être objectif, le chercheur, il doit être neutre, il doit être rigoureux et procéder à l'expérimentation, à l'observation des choses qu'il étudie. Donc, il faut retenir ces maîtres mots, objectivité, neutralité, rigueur et empirie. Voilà donc pour
La question numéro 1 du test de connaissance numéro 1. L'esprit scientifique va donc avoir cette attitude, rigueur, objectivité, empirie et neutralité. Passons donc à la question numéro 2. Qu'est-ce que la science? Vous pouvez répondre aussi sur le chat parce que ça, on l'a fait à maintes reprises. Tous les trois séances que nous avons eues à faire, nous sommes revenus sur ça. Donc, qu'est-ce que la science? Je vous donne des orientations par rapport à ce que vous auriez dû faire dans la remise des travaux au niveau de la plateforme concernant les tests de connaissances qu'on vous a dit. D'abord, qu'est-ce que la science? C'est un corps de connaissances systématiquement et méthodiquement élaboré. Je vous l'ai dit maintes fois. La science est d'abord un corps de connaissances systématiquement et méthodiquement élaboré. C'est aussi une quête de réponse empirique sur une question. Autrement dit, c'est une investigation qu'on développe. Quand on fait de la science, on fait une investigation parce qu'on va faire une recherche, on va faire une enquête, recueillir des données, des témoignages, on va faire des enquêtes, on va se documenter. Faire de la science, c'est une investigation. C'est essayer de répondre, c'est essayer d'apporter des réponses empiriques sur une question. Quand on parle d'empirique, c'est la constatation, c'est l'observation, c'est des choses palpables, les choses qu'on peut voir, c'est la réalité des choses. Ce n'est pas forcément cela, Souleymane Diallo. La science, c'est l'ensemble des connaissances générales. C'est des connaissances systématiquement et méthodiquement élaborées. Donc, il faudrait une méthode. Il faudrait mettre en place une méthode, si vous voulez, un canevas, quelque chose qui nous permette d'être rigoureux. Donc, il y a une méthode qu'on va suivre et on va faire de l'observation. On va faire une conceptualisation, c'est-à-dire bien définir les termes de notre recherche et bien observer les objets de notre recherche, voyez-vous. Ce qui fait que la science, c'est d'abord un corps de connaissances systématiquement et méthodiquement élaboré, comme je vous ai dit. La science est une quête de réponse empirique sur une question. La science est une investigation. On est en train de corriger le test de connaissances numéro 1 d'abord. Là, j'étais à la question numéro 1. Je l'ai déjà évacuée. Maintenant, je traite la question numéro 2 sur qu'est-ce que la science? Je vous donne des orientations par rapport à ce que vous auriez dû faire. C'est un peu rapide. En fait, le temps passe vite et j'aimerais faire avec vous comment faire une fiche de lecture parce que c'est important de le faire. La prochaine fois, c'est M. Sarandiaï qui va faire cours. Et moi, aujourd'hui, mon objectif, c'est de corriger les tests de connaissances et ensuite.
élaboré. Donc, puisque c'est systématiquement et méthodiquement élaboré, ça veut dire qu'il y a une méthode objective qui est derrière. Cette méthode objective ou démarche doit être bien élaborée pour garantir la production d'énoncés significatifs sur les faits. Oui, c'est enregistré normalement. On est en train d'enregistrer. Vous pourrez retrouver cela à la fin du cours. Donc, à chaque fois, il faut me rappeler, si je n'enregistre pas, rappelez-moi de lancer l'enregistrement. Cela vous permettra de revoir l'enregistrement et de réécouter tout ce qui a été dit, les choses qui vous ont échappé ou si vous arrivez en retard par rapport à un cours. Maintenant, on va à la troisième question du test de connaissance numéro 1. Quels sont les obstacles à la connaissance scientifique? Je vais vous donner des orientations, mais vous pouvez également le mettre sur le chat. Quels sont les obstacles à la connaissance scientifique? Mohamedou Lamine Baldé, vous ne m'entendez plus. Revoyez vos paramètres de connexion parce que là, on m'indique que la connexion est bonne et que mon micro bouge. Ça veut dire que donc, ça arrive normalement. Pour la correction des TD, je vais vous donner des orientations sur comment faire une fiche de lecture et vous allez reprendre la fiche de lecture. Ce sont les TD qui vous ont été soumis. Maintenant, pour la question numéro 3, quels sont les obstacles à la connaissance scientifique? La plupart a bien répondu parce que j'ai parcouru, je n'ai pas donné de notes, mais j'ai parcouru la plupart des réponses qui ont été fournies par vous, par les étudiants. Mais certains d'entre vous sont allés totalement sur la plaque, soit parce que ils n'ont pas lu le cours, ou bien alors ils n'ont pas suivi les séances de tutorat que nous avons eues. Notre première séance, je vous avais donné un certain nombre de consignes. Il faut vous approprier les cours. Il faut vous approprier les cours. Il faut toujours lire le cours avant de venir à une séance de tutorat ou de cours magistral. Cela vous permet d'avoir un bagage au préalable. Et quand le prof ou le tuteur déroule, vous pourrez être en mesure de comprendre ce qu'il est en train de dire. Ou s'il y a des choses que vous avez décidées, vous n'avez pas comprises lors de votre appropriation du cours, ce sera l'occasion pour vous de lui poser toutes les questions et vous aurez les réponses que vous voulez. Donc, il faut toujours lire vos cours avant de venir à une séance tutorat ou de cours magistral. Maintenant, pour la question numéro 3, quels sont les obstacles à la connaissance scientifique? Maria Amaba, les préjugés. Oui, effectivement, les préjugés constituent un obstacle à la connaissance scientifique. Il y a plusieurs obstacles que rencontre la connaissance scientifique, à savoir, il y a le dogme, il y a les perceptions du sens commun, il y a les jugements de valeur, les jugements spontanés. Mais ce n'est pas que ça. Dans le cours, c'est ça qu'on vous a donné comme obstacle à la connaissance scientifique, le sens commun, les jugements de valeur, les jugements spontanés, etc., etc. Parce que le scientifique doit rompre avec ça. Quand il va à la quête de la connaissance, il doit rompre avec les perceptions du sens commun, les jugements de valeur, etc., les prénotions. Mais il existe d'autres obstacles liés, par exemple, à la difficulté d'observer une neutralité axiologique.
Ce n'est pas facile d'avoir une neutralité axiologique face à un phénomène. Ce n'est pas du tout facile parce que, par exemple, j'ai mon éducation morale, j'ai ma coutume, j'ai ma perception des choses en fonction de mon éducation et je devrais faire une étude sur une chose peut-être qui est contraire à ma morale ou à mon éducation. Il est possible que je ne puisse pas avoir effectivement cette neutralité axiologique, cette attitude de prendre une distance par rapport à la chose étudiée pour que mon objet d'étude ne soit pas biaisé, pour que mon objet d'étude ne souffre pas d'erreur. Donc, souvent, il y a cette difficulté-là, au-delà des perceptions du sens commun, du jugement de valeur ou des jugements spontanés, il y a parfois d'autres obstacles qui peuvent entacher la connaissance scientifique. Je vous l'ai dit tantôt, la difficulté d'observer une neutralité axiologique. Il y a également la difficulté liée à la récolte des données pertinentes. Face à une étude, on peut récolter beaucoup de données, mais ces données peuvent s'avérer pas très intéressantes ou bien avoir énormément de données, ce qui peut poser aussi le problème des données. Voyez-vous. Donc, il existe des obstacles liés à la récolte des données pertinentes. Il y a d'autres difficultés également liées au langage, parce que si je veux aller dans un terrain étranger, je veux faire une étude, par exemple, en milieu Peul, et je ne parle pas Peul, je parle peut-être seulement Serer. Il peut être difficile, par exemple, de travailler sur ce terrain-là, parce que la langue peut être un obstacle. On peut, par exemple, être bien en français et ne pas parler un seul mot anglais et aller sur un terrain d'étude où la langue, c'est l'anglais. Comment est-ce qu'on va faire dans ce cadre-là? On aura des obstacles à la connaissance scientifique parce que on ne pourra pas déchiffrer.
Ibrahima, nous pouvons continuer. La connexion était interrompue. Ibrahima? Voilà, donc c'est juste à la fin. La connexion n'est pas très bien stable. Je ne sais pas pourquoi. J'espère que vous m'entendez. D'accord. Ibrahim, ça vient. OK. Pour la question numéro 3, alors, il y a plusieurs obstacles, comme je l'ai dit tout à l'heure, se rend compte, il y a plusieurs obstacles à la connaissance scientifique. Donc, il y a le dogme, les perceptions du sens commun, les jugements de valeur, les jugements spontanés, etc., etc. Ça, on vous l'a dit dans le cours. Donc, si vous avez bien lu votre cours, ce sont les perceptions du sens commun qui sont en offre à la recherche scientifique, à la connaissance scientifique. Et le chercheur doit rompre avec ces perceptions-là s'il veut faire une étude objectif, s'il veut faire une étude scientifique. Donc, rompre avec les sens communs. Avec les jugements spontanés, il paraît, on a dit, les jugements de valeur, etc., etc. Il y a d'autres types de difficultés également que le chercheur rencontre. Il y a les difficultés liées à la neutralité de la psychologie. Souvent difficile d'observer une neutralité axiologique parce que, souvenez-vous, on a dit la neutralité axiologique, c'est de pouvoir, comment dirais-je, séparer l'analyse des jugements de valeur. Donc, on va séparer son objet d'étude, l'analyse de son sujet au jugement spontané, au jugement de valeur. Donc, si on veut avoir cette neutralité axiologique-là, des fois, il est difficile. Parce que nous vont être sous l'emprise de notre culture, de notre tradition, de notre éducation, de nos affects, ce qui peut déteindre sur la qualité de notre recherche scientifique. Donc, il est souvent difficile d'observer une neutralité axiologique. Ça, c'est une difficulté à la connaissance scientifique. Il est également possible d'avoir des difficultés pour récolter des données pertinentes. On peut, je l'ai dit tout à l'heure, avoir des difficultés liées à la langue ou aux coutumes. Si on va dans un terrain étranger, je vais par exemple en milieu serrère ou en milieu peul, je parle wolof et dans ce milieu-là, on ne parle pas wolof. Cela peut être un obstacle à la connaissance scientifique.
parce que les choses qu'ils peuvent dire dans leur langue, ils peuvent ne pas pouvoir le traduire dans une autre langue, ou bien alors que cette chose n'existe pas dans une autre langue. Vous voyez, cela peut être un obstacle à la connaissance scientifique. La coutume paraît, je peux aller dans un milieu où le port, certains ports, certaines tenues vestimentaires ne sont pas autorisées par la coutume. Et si je ne le sais pas au départ, cela peut être un obstacle à la connaissance. Donc, cela peut amener les gens à être réfractaires à écouter ou bien à se laisser questionner, à se laisser enquêter. Voyez-vous? Donc, il y a plusieurs obstacles vraiment à la connaissance scientifique. Les obstacles que nous avons listés dans le cours, il s'agit de perceptions du sens commun, des jugements de valeur, des jugements spontanés, mais il y en a d'autres comme la difficulté d'observer une autre réalité axiologique, la difficulté liée à la récolte des données pertinentes, des difficultés également liées à la langue et à certaines coutumes quand on va dans un terrain étranger. Donc, voilà pour la question numéro 3. Maintenant, nous avançons pour traiter de la question numéro 4. Pour la question numéro 4, qu'est-ce que la science selon le positivisme? Et vraiment, je ne vois pas les messages sur le chat. Donc, qu'est-ce que la science selon le positivisme? Si vous vous référez à votre cours, vous pouvez voir si on veut répondre de façon simple. On dira, pour le positivisme, la science est une quête pour la découverte des lois régissant les phénomènes. La science est une quête basée sur l'observation des phénomènes. Donc, c'est la réponse à donner, c'est les orientations que je peux vous donner par rapport à la définition que donnent les positivistes par rapport à la science. Pour le positivisme, la science est une quête pour la découverte des lois régissant les phénomènes. Donc, cherchez ici le lien de causalité pour les phénomènes. Il y a une quête basée sur l'observation des phénomènes. C'est ça la science pour un positiviste. Cinquième question, comment parvient-on à la découverte des phénomènes selon le positivisme? Vous pouvez également répondre. Pour cette question numéro 5,
C'est bon, Ibrahima, je peux continuer. La connexion était encore interrompue. Et vraiment, je peux y aller? Bon, je pense que la connexion était interrompue. Chers étudiants, est-ce que vous pouvez m'entendre? La connexion était à nouveau interrompue. D'accord. C'est très difficile de faire des cours dans ces conditions. Parce que la connexion n'est pas tout à fait stable. Je ne sais pas ce qui se passe au niveau d'Orange. Pourtant, j'ai le Wi-Fi. Donc, normalement, cela devrait passer et la connexion nous fait des caprices. Mais cela ne va pas nous empêcher de travailler. Nous allons continuer. On était au niveau de la question numéro 5. On était au niveau de la question numéro 5. Comment parvient-on à la découverte des phénomènes selon le positivisme? Bon, les orientations que je peux vous donner par rapport à cette question, c'est que pour découvrir les phénomènes selon les positivistes, l'accent est mis en réalité sur les lois scientifiques, c'est-à-dire les lois de la nature, les relations entre les phénomènes, sur les liens de causalité. Autrement dit, vous avez l'habitude d'entendre peut-être cette assertion-ci, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, pour les positivistes, l'accent est mis sur les lois scientifiques, sur les relations entre les phénomènes, sur les liens de causalité. Donc, puisque les mêmes causes produisent les mêmes effets, donc les positivistes considèrent qu'il faut voir les relations entre les phénomènes. On parvient, selon le positivisme, à la découverte des phénomènes en soumettant de manière rigoureuse les connaissances acquises. La rigueur revient toujours pour le scientifique. Il faut toujours avoir de la rigueur. Il faut toujours être objectif. Il faut vérifier par l'observation. Il faut également avoir une neutralité axiologique. Donc, on parvient selon le positivisme à la découverte des phénomènes en soumettant de façon rigoureuse les connaissances acquises à l'épreuve des faits et l'établissement des régularités reliant les faits sous forme de loi. Donc, il faut toujours qu'il y ait un lien de causalité entre les faits. Il faut cette observation des faits. Il faut cette, comment dirais-je, cette mise à l'épreuve des faits
à la réalité. Ce qui fait que, pour répondre à cette question, comment parvient-on à la découverte des phénomènes selon les positivistes, puisqu'ils mettent l'accent sur les relations entre les phénomènes, les liens de causalité entre un phénomène et un autre, les positivistes en souhaitant de façon rigoureuse ou de manière rigoureuse les connaissances à l'épreuve des faits et essayer de mettre en relation, établir une régularité qui va lier les faits sous forme de loi. Ensuite, pour la question numéro 6, parce qu'il faut qu'on y aille rapidement pour pouvoir vous expliquer comment faire une fiche de lecture. Comment parvient-on à la découverte des phénomènes selon l'empirisme? Ici, on va dire directement par l'expérience. L'empirisme, c'est quoi? C'est ce qui est la méthode empirique, c'est ça. Ce qui est ce qui, la réalité des choses, c'est l'observation, c'est... le terrain. Donc, si nous devons répondre à cette question de façon simple, comment découvrir les phénomènes selon l'empirisme, c'est par l'expérience. Donc, nous découvrons les phénomènes selon l'empirisme par l'expérience. Mais il y a trois choses. Il y a l'observation, il y a l'expérimentation. Il y a la constatation. Comment parvient-on à la découverte des phénomènes selon l'empirisme? Pour ceux qui demandaient la question. Comment parvient-on à la découverte des phénomènes selon l'empirisme? Je réponds tout de suite en disant que c'est par l'expérience. Et pour donner des détails par rapport à la réponse, il y a trois choses qu'il faut garder à l'esprit, c'est l'observation. On parvient donc, selon l'empirisme, à la découverte des phénomènes par l'observation, l'expérimentation, la constatation. Donc, d'abord, par rapport à l'observation, on met en place un corpus, c'est-à-dire des concepts, des énoncés, des hypothèses de départ, etc. Et des matériaux empiriques. Qu'est-ce que c'est? C'est l'observation, les données, les témoignages, etc. Et donc, quand on a au préalable mis en place un corpus et ensuite les matériaux empiriques, quand on a mis toutes ces choses-là en place, on va vers une constatation sous forme de démonstration par la preuve. Voyez-vous. Donc, on va faire l'illustration par les faits. On va vérifier à partir des données pour montrer que les énoncés sont objectifs. Cela vous a été clairement notifié dans le cours. Donc, oui, Ibrahima. Est-ce que vous m'entendez? C'est la connexion qui n'est pas bien stable. C'est ça qui entraîne, à mon avis, les différentes coupures. Voilà donc par rapport... Vous avez la possibilité, Ndiaye, de revoir les enregistrements. Donc, par rapport à la question numéro 6, je disais donc, comment parvient-on à la découverte des phénomènes selon l'empirisme? Et j'ai répondu que cela se faisait par l'expérience. Donc, comment découvrir les phénomènes sur le plan, selon les empiristes, il faut une observation, une expérimentation et une constatation.
une observation parce qu'il faut qu'on mette en place des concepts qu'on va bien définir. Il faut qu'on mette en place une hypothèse de départ. Il faut qu'on mette en place des matériaux empiriques, c'est-à-dire faire de l'observation, faire une étude de terrain en recueillant des données, des témoignages, etc. Et quand on aura fini de faire cette mise en place, quand on aura fini de faire ces choses-là, on va vers la constatation par rapport au concept qu'on a bien défini, par rapport à notre hypothèse de départ. On va essayer de faire une constatation sous forme de démonstration par la preuve. On va essayer, avec les faits que nous avons vérifiés, nous allons vérifier nos données, les données recueillies, les témoignages que nous avons. Donc, nous allons essayer de faire une vérification à partir des données pour montrer que nos énoncés, c'est-à-dire notre hypothèse de départ, la chose sur laquelle on s'est fondé pour commencer la recherche, on va vérifier si cette chose peut se confirmer ou s'infirmer dans la réalité. Donc, on va, quand on aura fait, mis en place notre corpus et le matériel empirique, on va vers une constatation en essayant de démontrer avec des preuves, en essayant d'illustrer par les faits, on va vérifier à partir de données, à partir des données que nous avons, vérifier ce que nous avançons pour montrer en fait que nos énoncés sont objectifs, nos énoncés sont vérifiables, que nos énoncés sont scientifiques. Vous voyez? Donc, on commence par une observation, ensuite une expérimentation, ensuite une constatation. Donc, selon l'empirisme, on découvre les phénomènes par l'observation, l'expérimentation et la constatation. Est-ce que vous m'entendez jusque-là? Donc, voilà les 6 questions. Je viens de finir de traiter les 6 questions. Je vous ai donné des orientations par rapport à ce qui devait être fait pour les tests de connaissance numéro 1. Qu'est-ce que l'esprit scientifique? Qu'est-ce que la science? Quels sont les obstacles à la connaissance scientifique? Qu'est-ce que la science selon le positivisme? Comment parvient-on à la découverte des phénomènes selon le positivisme? Comment parvient-on à la découverte des phénomènes selon l'empirisme? Voilà les 6 questions pour les tests numéro 1. Maintenant, pour les tests numéro 2. Pour le test numéro 2, vous avez qu'est-ce que l'induction, qu'est-ce que la déduction. Est-ce que certains d'entre vous peuvent répondre dans le chat? Qu'est-ce que l'induction, qu'est-ce que la déduction? Ramafay, vous n'entendez pas? Est-ce que c'est le cas pour les autres? Je parle bien dans le micro, vous m'entendez? OK. Maintenant, on en a fini avec le test numéro 1. On va au test numéro 2 rapidement pour faire comment faire une fiche de lecture. Maintenant, pour le test numéro 2, vous avez, qu'est-ce que l'induction? Ensuite, qu'est-ce que la déduction? Quelqu'un peut-il donner une tentative de réponse?
Merci, Moussa Diatta. Parfait. Qu'est-ce que l'induction? Qu'est-ce que la déduction? Bon, pour ne pas perdre du temps, je vais vous donner des orientations sur ce qui devait être fait. Qu'est-ce que l'induction? Quelqu'un peut te répondre? C'est quoi c'est dit? Non, j'ai répété 1000 fois à Walidine. Qu'est-ce que l'induction? C'est votre test de connaissance. Ouvrez le fichier sur le test de connaissance numéro 2. Vous allez voir. Est-ce que vous n'êtes pas en train de jouer au dilatoire pour ne pas répondre à ma question? Mais vous avez déjà tout ça dans la plateforme. Vous avez eu pratiquement à l'UCEM 3 semaines pour le faire. Certains de vos camarades ont fait. J'ai vu beaucoup d'ailleurs ont fait le test numéro 2. Donc, si vous n'avez pas fait, il ne faut pas dire que on n'a pas fait. Je n'ai pas fait. Oui, c'est un mode de raisonnement, Omaba. L'induction est un mode de raisonnement. Plus encore, c'est une démarche, Kumbaba. Mm-hmm. Pape Sambaba, merci pour cette tentative. Non, on demande c'est quoi l'induction? Voilà, merci pour vos tentatives pour la connexion. Voilà, merci pour vos tentatives de réponse. Merci pour les réponses que vous proposez par rapport à l'induction. Ceux qui n'ont pas fait les tests de connaissances, vous n'avez pas d'excuses. Vous avez au moins tout sur la plateforme depuis 3 ou même 1 mois maintenant. Les cours ont démarré le 2 août, je pense. Et vous aviez tous les cours bien avant le 2 août postés sur la plateforme. Maintenant, ça fait 3 séances ou 4 séances de tutorat que vous avez eues en culture de réflexion scientifique. Maintenant, me dire aujourd'hui que vous n'avez pas fait parce que vous n'avez pas vu ou bien que vous n'avez pas commencé encore, ça, je ne peux pas l'accepter. Pour le test numéro 2, nous avons eu 2 questions. Qu'est-ce que l'induction? Qu'est-ce que la déduction? Maintenant, pour ceux qui ont répondu, merci pour les tentatives de réponse. Il faut savoir que l'analyse empirique est divisée en 2. Il y a ce qu'on appelle la démarche inductive et la démarche déductive ou le raisonnement déductif et le raisonnement inductif.
Maintenant, pour faire simple, les apôtres indiquent dans l'observation empirique pour générer des généralisations explicatives. Et les approches déductives, c'est la théorie d'abord déduite des principes avant d'être testée. Donc, si on veut comprendre plus en détail, on va dire déduire, c'est quoi? On va essayer de le traduire, de le dire en d'autres mots. Déduire, c'est conclure. Décider, c'est conclure, c'est décider, ou trouver un raisonnement à titre de conséquence. Donc, on déduit une conclusion, un résultat d'un énoncé de départ. Ensuite, conduire et conduire. Est-ce que vous comprenez? Écoutez bien. Déduire peut être traduit autrement par conclure, peut être une conséquence d'un raisonnement. Alors que induire signifie tout simplement conduire. Si vous avez bien retenu ces bases-là, sachez que dans l'analyse empirique, l'analyse empirique est subdivisée en deux approches. Il y a la démarche inductive et la démarche déductive. Maintenant, commençons par la démarche inductive. La démarche inductive peut être utile pour le chercheur qui fait un travail de recherche, pour, par exemple, un article scientifique, pour une thèse, pour un mémoire, etc., etc. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est l'induction? La méthode inductive, on peut l'appeler inductivisme ou alors approche empirico-inductive. Pour vous montrer que l'approche inductive, c'est une branche de l'analyse empirique parce que ça vient de l'approche empirique. Et donc, cette approche empirique est divisée et subdivisée en deux branches, ou en deux approches qu'on appelle raisonnement déductif, raisonnement inductif. Maintenant, pour ce qui est du raisonnement inductif, il faut savoir qu'on peut aussi l'appeler approche empirico-inductive ou inductivisme. Que jusque-là, c'est bon. Voilà, donc, si vous avez bien retenu que l'induction, c'est une méthode de l'approche. On me signale que la connexion n'est pas stable. Donc, la méthode inductive peut être aussi appelée approche empirico-inductive ou inductivisme. C'est une méthode de travail scientifique qui part d'un fait. Donc, l'induction part d'un fait. C'est pour ça que je vous ai dit conduire. Induire égale conduire. Donc, on part d'un fait avec des données brutes, des données réelles, des données observables, on parle d'un fait pour expliquer un phénomène. Donc, l'approche inductive ou la méthode inductive est une méthode de travail scientifique qui part d'un fait pour expliquer un phénomène. Est-ce que vous avez bien reçu? Vous m'entendez bien? L'approche inductive part d'un fait pour expliquer un phénomène. Voilà la mensaje.
Très bien. Donc, l'induction est un nom utilisé pour signifier un genre de raisonnement qui se propose de chercher l'effet général à partir de l'observation d'un fait. Ce qu'il faut retenir de cette définition, Lamine Sadio, c'est qu'on parle d'un fait. Donc, c'est un fait connu, c'est un fait qu'on peut observer, c'est un fait réel. Donc, on parle des faits pour expliquer un phénomène. Walidine, on est dans l'induction d'abord, pas la déduction. Qu'est-ce que l'induction? C'est une méthode de travail scientifique qui parle d'un fait pour expliquer un phénomène. Quel est l'intérêt de faire ça? Quel est l'intérêt de la méthode inductive? En fait, cette méthode inductive permet de trouver des explications grâce à des observations concrètes. Donc, on peut trouver des explications grâce à des observations concrètes. Trouver des explications d'un phénomène grâce à l'observation qu'on aura à faire sur cet élément-là. Donc, c'est ça. La méthode inductive, je vous ai dit induire, c'est conduire. La méthode inductive se base sur un fait connu. On cherche à comprendre les causes d'un phénomène à travers ses effets. Si vous prenez l'exemple des inondations, par exemple, vous utilisez la méthode inductive pour étudier le phénomène des inondations. Vous savez que les inondations, c'est un fait connu, c'est un fait observable. C'est un fait concret. Donc, on peut utiliser la méthode inductive pour étudier ce phénomène des inondations. Donc, si on utilise la méthode inductive, on va chercher à comprendre les causes d'un phénomène à travers ses effets. Nous avons les inondations partout à Dakar, surtout au niveau de la banlieue. On va essayer, avec la méthode inductive, de comprendre les causes de ce phénomène. Parce que nous avons les eaux qui rentrent dans les maisons, il nous faut essayer de comprendre quelles sont les causes de ce phénomène. Est-ce que ce sont les populations qui sont allées se loger dans des zones inondables? Est-ce que c'est à cause des travaux, par exemple, de l'autoroute ou du TER, etc., qui ont accentué les inondations? Est-ce que c'est parce qu'il y a le changement climatique. Donc, on va essayer, avec la méthode inductive, d'expliquer, de trouver des explications à ce phénomène-là qu'on observe, qui est les inondations. Donc, retenez que la méthode inductive se base sur des faits connus. C'est une méthode de travail qui cherche à comprendre les causes d'un phénomène à travers ses effets. Je ne suis pas en train de parler de Yassine Gueye de la déduction. Je suis dans l'induction toujours. Vous dansez plus vite que la musique. Donc, on est toujours dans l'induction. Ce qu'il faut retenir dans la méthode inductive, j'ai dit induction, ça veut dire conduire un autre terme. Donc, la méthode inductive se base sur un fait, par exemple les inondations, et cette méthode cherche à comprendre les causes d'un phénomène à travers ses effets. Le phénomène ou fait étudié est connu grâce à des données chiffrées, des données matérielles, des faits observables. Donc, ce qu'il faut retenir dans cette méthode inductive, on va faire notre étude sur à partir d'un fait pour expliquer un phénomène. Je ne cesse de le répéter. La méthode inductive part d'un fait. Le fait est observable, le fait est réel pour expliquer un phénomène. La démarche inductive est importante. Pourquoi? Parce que est importante quand vous faites, quand vous étudiez
un sujet ou un phénomène connu. Parce que cette méthode de travail va nous permettre de cerner son sujet de recherche, de définir les attentes de son enquête, de trouver les causes d'un phénomène étudié. Je veux dire, on part d'un fait connu pour expliquer, pour comprendre les causes d'un phénomène. Donc, cette démarche inductive va nous permettre de cerner notre sujet, de définir les attentes pour notre enquête, si on fait une enquête de terrain, de trouver les causes des phénomènes étudiés. Cela nous permet également de donner une explication à des effets observés. Ça nous permet d'établir une conclusion apportant des explications scientifiques sur le sujet étudié. Est-ce que vous comprenez? Donc, la méthodologie de cette démarche inductive peut être décomposée en plusieurs étapes. D'abord, analyser son sujet de travail, observer et enregistrer les faits pour comprendre en réalité les causes du fait étudié. On va faire, pour l'observation et l'enregistrement des faits, on va faire du terrain, on va faire de l'observation, de la documentation, rencontrer les acteurs susceptibles de vous fournir des réponses sur ce fait-là à travers des entretiens, etc. etc. Il faut également, comme étape, analyser les informations collectées. À travers cette collecte d'informations collectées, cela nous permet de faire émerger les causes du fait étudié. Enfin, on va faire une conclusion pour qui va vous servir de reprendre les arguments avancés afin d'expliquer les causes du sujet étudié, du phénomène étudié, et ainsi prouver avec des chiffres et des arguments fournis les éléments que vous avancez. Donc, la méthode inductive, tout ce que je viens de dire là, ce que vous devez retenir, c'est que la méthode inductive est une méthode de travail scientifique qui part d'un fait pour expliquer un phénomène. Qui part d'un fait connu, c'est-à-dire un fait connu, un fait réel, un fait observable. Je vous ai donné l'exemple des inondations. Donc, c'est un fait réel, c'est un fait observable. Et on va partir de ce fait pour expliquer le phénomène, pour expliquer, pour essayer de comprendre les causes de ces inondations-là. On peut donc utiliser la méthode inductive. Induire, ça veut dire conduire. C'est pour vous permettre de bien retenir. Donc, en conclusion, retenez que les observations et les recherches faites à partir d'un phénomène ou d'un sujet connu, réel et observable, permettent aux chercheurs, aux scientifiques, etc., de comprendre les causes de celui-ci. C'est ce que la méthode inductive permet de faire. Après ces recherches, le scientifique, le chercheur, le savant ou les étudiants que vous êtes peut donc présenter une conclusion qui met en relief les causes qui justifient ou qui expliquent le phénomène ou le fait qu'il étudie. La méthode inductive part d'un fait connu pour fournir, pour donner des explications, pour expliquer un phénomène. On en a fini avec ce que l'induction. Maintenant, qu'est-ce que la déduction? Qu'est-ce que la déduction? Qui peut fournir une réponse par rapport à cela? Est-ce que ce n'est pas la connexion? Mirandiaï, vous entendez mal. Le micro est bien branché et peut-être que c'est au niveau de la connexion, mais pour le moment, on m'indique que la connexion est bonne.
Qu'est-ce que la déduction? Pape Sambaba, la déduction est une opération par laquelle on retranche un nombre d'une autre pour en faire apparaître la différence. Oui, c'est très bien, mais il faudrait que ça soit en rapport avec ce que nous sommes en train de faire, avec le cours de culture de la réflexion scientifique, n'est-ce pas? Donc, il ne faudrait pas prendre n'importe quelle définition qu'on vous propose de la déduction. Si on veut aller au dictionnaire ou donner une analogie, un synonyme à la déduction, on dira tout simplement déduire, c'est conclure. Déduire, c'est par rapport à par rapport à un raisonnement, c'est une conséquence. Donc, déduire, c'est conclure. Ce n'est pas retrancher ou ce n'est pas retrancher comme votre camarade vient de le dire. Wally, c'est passé vite, le chat passe vite parce que, mashallah, il y a un grand nombre d'étudiants. Je ne peux pas le revoir, malheureusement. La déduction est constituée d'un enchaînement de propositions, d'axiomes ou d'inférences qui respectent les règles définies et sans retour à l'expérience. Diago Ndiaye, merci pour cette tentative. Qui d'autre pour nous proposer une réponse? Bon, je vais vous donner des orientations. Kumbasi, je suis désolée, l'explication est très rapide. Oh là là. Voilà, Kumbaba, déduire, c'est conclure. C'est très bien. Déduire égale soustraction. Non, dans le cadre de ce cours de culture de la réflexion scientifique, ça ne peut pas être soustraction. Vous allez considérer la déduction dans le cadre d'un raisonnement. Et donc, dans ce cadre-là, vous ne pouvez pas dire que c'est une soustraction. Ça doit être une conséquence logique de ce que vous affirmez. Donc, déduire peut être entendu comme une conséquence ou alors comme, comment dirais-je, comme une conclusion. Voilà, Edouard Ahmad Nour, c'est très bien. Donc, je vous donne une proposition parce que l'heure file et on doit voir la méthode de la fiche de lecture. Qu'est-ce que la déduction? Souvenez-vous, quand j'ai parlé de la méthode inductive, j'avais dit que c'était une branche de l'analyse empirique. Ça fait partie de la méthode empirique parce que la méthode empirique est divisée en deux approches. Le raisonnement déductif et le raisonnement inductif. Ou si vous voulez, la méthode inductive et la méthode déductive. Ça fait partie de l'analyse empirique. Donc, qu'est-ce que la déduction? Je vous ai dit que déduire égale conclure ou dans le cadre d'un raisonnement, c'est tirer des conséquences. La méthode déductive est aussi appelée déduction logique ou approche hypothético-déductive. Il faut aller rechercher ça dans les moteurs de recherche. L'approche déductive est appelée déduction logique ou approche hypothético-déductive. C'est une méthode de travail scientifique. Cette méthode a pour but d'expliquer un phénomène en partant d'un sujet ou d'un phénomène ou d'une hypothèse sur un phénomène. Mais contrairement à l'approche inductive, l'approche déductive
le fait ou le phénomène n'est pas connu. Donc, on va utiliser des hypothèses pour essayer d'expliquer un phénomène. L'approche déductive a donc pour but d'expliquer un phénomène en partant d'un sujet ou d'une hypothèse sur un phénomène. La confirmation ou la non-confirmation des hypothèses de travail doit permettre de trouver une explication au sujet sur lequel se porte la recherche. Donc, on va mettre en place des hypothèses et en faisant nos investigations, nos recherches, notre documentation et tout, on doit pouvoir à la fin pouvoir confirmer ou non confirmer ou infirmer plutôt notre hypothèse de départ. C'est ce qui fait que la confirmation ou la non-confirmation des hypothèses de travail doit permettre de trouver une explication à notre sujet de recherche. Cette méthode déductive nous permet de développer des hypothèses de travail à partir d'un phénomène qui n'est pas connu. Donc, contrairement au raisonnement inductif qui part d'un fait connu pour expliquer un phénomène, ici, avec la méthode déductive, vous allez partir des hypothèses d'un phénomène. Vous allez développer des hypothèses de travail à partir d'un phénomène inconnu. D'accord, Ibrahim. Donc, vous allez partir, vous allez développer des hypothèses de travail à partir d'un fait inconnu pour ensuite vérifier ces hypothèses-là sur le terrain. Parce que le terrain va vous apporter des informations sur le phénomène en question. Il est possible d'apporter des explications scientifiques au sujet étudié. Donc, il y a un procédé à suivre pour mener une démarche déductive. Il faudrait définir son sujet, établir des hypothèses de travail. Voilà, et mener son enquête de terrain, analyser les infos collectées, ce qui va nous permettre à la fin de déduire, de confirmer ou d'infirmer ces hypothèses de départ. Donc, voilà pour la méthode inductive et la méthode déductive. Qu'est-ce que l'induction? Qu'est-ce que la déduction? Maintenant, rapidement, je vais vous parler de, de la fiche de lecture. Parce que beaucoup d'entre vous ont eu des problèmes pour faire le TD et cela a affecté la qualité de votre travail. Donc, en tant qu'étudiant, vous allez être amené à faire des fiches de lecture tout au long de votre cursus. Il faut le savoir. Donc, des fiches de lecture, vous allez les rencontrer tout le temps. Ces fiches vont vous permettre de vous approprier les différentes notions que vous rencontrez en cours, les notions importantes de vos différents cours, de vos lectures, et cela va vous servir pour les examens, pour une évaluation quelconque. Voilà. Ces notes de lecture, comme je l'ai dit, vont vous servir tout au long de votre cursus. Comment faire une fiche de lecture? Qu'est-ce que c'est que d'abord une fiche de lecture? Une fiche de lecture va vous servir de faire de compte-rendu pour résumer vos lectures. Une fiche de lecture vous permet de revenir sur l'ensemble des thèmes abordés par un auteur dans un ouvrage. Donc,
il y a un travail préliminaire à faire. La première étape de la fiche de lecture, c'est de vous intéresser au livre et à toutes ces informations périphériques. Regardez qui est l'auteur, quel est le titre du livre. Lisez également tout ce qui est relatif à l'ouvrage qui va vous permettre de situer l'auteur, de faire une petite biographie de l'auteur. Il faut, quand on fait une fiche de lecture, toujours garder à l'esprit. Toujours garder à l'esprit. Bienvenue, Madame Awadou Kouré. Donc, dans la fiche de lecture, il faut toujours garder à l'esprit le but de cette lecture, c'est créer une fiche de lecture. Est-ce que vous faites cette fiche pour un examen? Est-ce que vous faites cette fiche pour... D'accord, alors je voulais prendre les 15 minutes parce que j'ai eu des problèmes de connexion. Est-ce qu'on peut m'accorder encore juste 10 minutes pour finir avec la fiche de lecture? D'accord. Donc, à la prochaine séance, nous pourrons faire ça ou alors discuter au niveau du forum de discussion ou partager un fichier avec les étudiants pour leur expliquer la fiche de lecture. D'accord. Chers étudiants, puisque nous sommes rattrapés par le temps et vous avez un autre cours qui doit démarrer à 11 heures, nous en arrêter là pour aujourd'hui et continuer la prochaine fois. Je vous invite à venir au niveau du forum de discussion ou du forum de partage pour continuer les échanges, étant donné qu'il y a un autre. L'autre prof vous attend pour le cours de 11 heures. Je vous remercie tous d'être venus. Les échanges ne vont pas s'arrêter là. On va le continuer au niveau du forum de discussion. Merci en tout cas à vous tous et on se dit à très bientôt. Je vais contacter Wally Ndour pour des informations concernant la suite. Merci à tous et au revoir. Thank you.